Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette autre édition des Trésors de Portneuf-Jacques-Cartier. C'est notre avant-dernière émission de la saison et pour se faire, pour la décoller cette émission, je me suis dirigé cette fois-ci sur la route de Paris. Pour ceux qui connaissent ça, c'est une route qui relie Cap-Santé et Saint-Basile à partir du Bois de l'Ail. C'est une route qui a un coup d'œil extraordinaire, entre autres, sur les champs des agriculteurs et qui vaut le détour en toute saison. Alors, c'est à chaque fois, j'essaie de vous faire découvrir un petit coin de pays fort intéressant. Donc, j'espère que vous en profiterez pour aller vous promener un petit peu quand vous avez un petit dimanche de libre. Alors, voilà. Donc, bien sûr, on a une émission fort chargée encore une fois cette semaine dans les Trésors de Portneuf-Jacques-Cartier. Et d'ailleurs, on débute notre chronique municipale en vous présentant un court montage qui a été réalisé en 2014 sur la MRC de Portneuf. Ah. Da 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 da.
Parlons justement, Mme Gingras, des besoins en 2016. Il faut dire que les besoins augmentent un peu comme un peu partout. On disait ce matin 4 % qu'on avait lu dans un journal d'augmentation. L'an passé, nous autres, ici à Saint-Raymond, on a eu une augmentation de 10 à 12 %. On parle de panier de Noël, de demande de panier? De demande de panier, puis d'aide alimentaire. Parce qu'on donne les paniers, mais on complète aussi avec des bons alimentaires oui. pour se permettre d'acheter des choses qu'on ne reçoit pas. Oui. Comme exemple, la farine, des choses comme ça, les gens qui veulent la viande. On offre un dindon, là, mais on ne peut pas donner beaucoup de viande. Alors, l'an passé, Noël, un chiffre approximatif, là, qui est réaliste, 26 000 $ qu'on a distribué aux gens. Okay. Alors, c'est grâce à la générosité des gens de oui. notre secteur et des organismes de notre milieu aussi. Heureusement, comme l'organisme que Sophie Patron nous arrive avec la guignolée à chaque année. Nous autres, on a tellement dans le jus à ce temps-ci qu'on ne peut pas se permettre d'organiser non. une chose semblable. On est prêt à participer, par exemple. Oui. Nos bénévoles peuvent être là puis sont heureux d'être là aussi. Mais de l'organiser, c'est un autre affaire. Ah, j'imagine, juste confectionner aussi des paniers. Est-ce que vous êtes dans cette étape-là? Oui, oui. Aujourd'hui, on oui. a commencé hier à donner des paniers, puis aujourd'hui, puis demain, là, ça va. Jusqu'à ça va... quand, à peu près? On donne les paniers jusqu'au 20 décembre. Jusqu'au 20 décembre. Est-ce que les gens peuvent faire une demande, toujours? Oui. C'est toujours temps? Toujours temps. On fait appel à votre organisation, SOS Accueil? On appelle au SOS Accueil, on rencontre une personne. On aime rencontrer les gens avant de prendre les oui. noms. On leur demande d'arriver avec des preuves de résidence. Okay. C'est sûr, parce qu'on ne peut pas prendre des gens de tous les secteurs. C'est sûr. Et puis, on évalue ensemble leurs besoins. Alors, il y a toujours quelqu'un à l'accueil qui rencontre ces gens qui demandent. Oui, et vous êtes ouvert quand même? Le mardi, le jeudi, de 9h à 11h30, puis de 1h à 4h, le vendredi matin, de 9h à 11h30. Et si quelqu'un ne peut pas venir sur ces heures-là, communique au SOS Accueil. On s'organise pour les rencontrer en dehors des arbres. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette autre chronique patrimoniale. Donc, notre trésor patrimonial cette semaine, il se situe à Neuville. C'est la chapelle de procession Sainte-Anne de Neuville que vous voyez juste à l'arrière de moi. C'est une chapelle qui n'est pas très loin à l'arrière de l'église, bien sûr, de Neuville. Et elle a une histoire bien particulière. Les origines de la chapelle de procession Sainte-Anne de Neuville remontent à 1679. Neuville se trouve le long du Saint-Laurent, aux environs de Québec. Son autel, son tabernacle en bois doré, sa lampe de sanctuaire et son chemin de croix sont de véritables œuvres d'art. À l'extérieur de la chapelle, la statue L'Éducation de la Vierge est attribuée à Louis Jobin, sculpteur québécois bien sûr originaire de Saint-Raymond qui a passé son enfance à Neuville. Cette statue, créée en 1875, fut restaurée par le sculpteur Fabien Pagé en 2004. Au centre de la nef, sous le plancher, reposent les sépultures du Seigneur Eugène Larue, de son épouse Lucille Grenier et de leur fille adoptive Elmina Davis.
Le seigneur Larue rénova la chapelle en 1871 pour lui donner l'apparence actuelle. La chapelle Sainte-Anne est maintenant utilisée pour la tenue d'activités culturelles et pour la célébration de mariages civils. Elle fut classée monument historique en 1965 par le Québec et le 23 août 2007 par Parc Canada. I'm Karen Getzinger. My current work addresses fading memories and how we try as hard as we can to hold on to the smallest thread of emotion and memories that we can. My work here at the Biennale is called A State of Transparency, and it also addresses fading memories of places that perhaps we've lived and not appreciated as much when we lived there. But now that we've left a place, we cling to those memories even as they become more transparent and unrecognizable. The panels address urban life. I live in Ottawa. I love the city. And so there's architectural details to some of the pieces. The linen tiles on the floor are covered in linen, and they are cut maps of the Deschambault area. But it's less about the area for me and more about stripping away the buildings, the architecture, and the bones of the streets that are left that create a beautiful graphic design. Eu sou Eunice Arthur, vivo em Lisboa e fui convidada para participar na Bienal. A escultura que eu propus fala sobre um encontro entre dois pontos numa viagem. Comecei a pesquisa pela decifração de símbolos, do signo, do gesto, da impressão da linguagem, da transmissão,
das transformações, de toda a alteração, toda a mudança do significado com o tempo. Esse jogo na transmissão, a emissão, recepção, onde uma ideia se torna uma coisa tão viva. Nos dois círculos, portanto, os dois círculos são um encontro, ou o oposto, também são o seu oposto, um encontro nos antípodas, onde existe o peso, onde existe a leveza, a flexibilidade, a inflexibilidade, a raiz, a base, o rizoma. É disso que fala o meu trabalho. Je suis Cécile Dachary, je suis artiste plasticienne, je suis française, je vis en région parisienne. Je travaille le fil et le tissu dans mon travail artistique depuis 20 ans à peu près, mais j'ai toujours travaillé le fil et le tissu parce que précédemment j'étais designer textile. Et puis c'est un matériau familial avec lequel tout le monde a toujours travaillé dans ma famille, donc ça a été naturel de travailler le fil. Donc j'ai beaucoup travaillé surtout sur le thème du corps, essentiellement, pendant longtemps, en broderie, en crochet. Et puis, à l'occasion de ventes caritatives au profit d'une association qui construit des logements d'insertion, j'ai commencé à travailler sur le thème de la maison et sur la notion de l'habitation et d'habiter. Et voilà, et donc de fil en aiguille, des maisons se sont construites entre mes mains, mes doigts, et finalement une ville. Et je voulais donner un peu de poésie au thème de la ville, en fait, à la ville, hein, lui donner de la légèreté. Je voulais en donner une représentation aussi assez proche de la réalité. Une ville, c'est jamais très, très propre, très droit. Donc ma ville, elle est comme ça, elle est un peu de guingois. À chaque fois que je l'installe, elle n'est jamais tout à fait installée de la même façon. Elle s'agrandit aussi, à chaque fois que je l'installe, je fabrique d'autres nouvelles maisons. Voilà, donc là, ici, elle est là pour la Biennale du Lin parce qu'elle est faite de fils de coton, mais aussi de fils de lin pour certaines maisons. Héloïse Plamondon-Pagé, je suis originaire de la région de Portneuf et j'ai habité également à Montréal et à Québec maintenant. Je suis artiste en arts visuels puis je travaille principalement l'estampe en installation. Je pars de photographies ou de vidéos desquelles j'extrais des images. Puis je vais travailler tout un effet de profondeur à travers mes installations. Parce que j'imprime en estampe sur un matériau transparent, semi-translucide, ce qui me permet de jouer avec la superposition, l'accumulation de couches aussi, puis de créer une sorte de transparence. Puis étant donné que mon matériau est très léger, très diaphane, ça permet aussi d'insuffler un mouvement à l'image imprimée qui est habituellement fixe et bidimensionnelle. Là, il y a une sorte de profondeur puis d'un effet holographique qui est créé. Et dans le cadre de la Biennale du Lin, je me suis intéressée aux gens du comté de Portneuf qui ont travaillé le lin. Puis j'ai rencontré à quelques reprises Madame Noëlla Berroir, Monsieur Gilles Girard, puis j'ai rencontré également Mathieu Fecteau, qui sont de Saint-Léonard. Puis j'aurais demandé de me parler de ce qu'était le lin pour eux, de ce que ça représentait et tout. Puis ce qui est ressorti de ces conversations-là, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était le lien, l'espèce de lien social du lin entre les gens d'une même communauté, qui prenait beaucoup forme à travers les corvées de lin et ensuite dans la transmission du savoir-faire et tout. C'est un peu le filon et le lien avec le thème de passé inaperçu. Moi, qui m'intéresse beaucoup aux souvenirs, au passé et tout, bien souvent, on va se retrouver devant une pièce qui a été tissée ou on va se retrouver, mais on n'a pas, dans le matériau fini, on n'a pas conscience
des liens, de toutes ces rencontres-là qui ont permis de créer le produit ou le résultat du tissu fait en lin ou peu importe quel est l'objet, en fait, parce que c'est toujours ça. Mais le matériau vient comme empreinte de ces contacts-là. Il y a une installation où j'ai pris les photographies moi-même, qui représentent des mains qui s'affairent à travailler le lin. Les trois personnes que j'ai rencontrées sont de générations différentes, donc c'est un peu aussi la transmission du savoir-faire à travers les générations et dans le temps. Puis ensuite, les deux installations de plus grande dimension, c'est des photos d'archives que j'ai utilisées, qui montrent des gens à différentes époques, mais qui travaillent le lin lors de corvées de lin. Puis le fait d'avoir séparé les photographies en différentes bandes qui se superposent, c'est un peu l'image de la collectivité versus l'individuel, donc la personne unique qui, avec les autres individus de la communauté, bon, va faire un travail de groupe et tout. Puis il y a des relations, il y a des histoires qui se tissent à travers ça. Donc c'est ça l'idée. Des bandes de tissus qui, regroupées ensemble, sont suspendues puis regroupées ensemble, forment un tout qui est l'image, puis qui est comme la communauté, en fait, un peu.